Salut à toutes et à tous, c'est Timo, on se retrouve sur State of Decay 2 en compagnie de Talisha et de Ross. Et aujourd'hui, c'est un jour crucial puisqu'on va essayer de se débarrasser des cœurs de peste qu'il y a juste au-dessus. Je pense pas faire les deux derniers, on va réserver ça pour la fin lors du déménagement. Mais comme ça, on aura nettoyé une grosse partie de la map. Ça paraît intéressant, ça fait partie de la mission principale hein, dans l'histoire. Sinon, on a Heather qui a toujours un truc à faire avec l'inspecteur Jackson, c'est sa voiture à retrouver. Et puis nos nouveaux amis, les zombies vétérans, qui ont un sujet sensible à évoquer. Ok, du coup, bah, je vous montre un petit peu la base parce que j'ai fait évoluer des trucs. Déjà, plus important de tout, l'atelier niveau 3 qui a permis de construire des modifications. C'est tout ça. Alors j'ai fait toutes les modifications, j'ai pas pu placer celle-là car je n'ai plus de place. Donc j'ai placé un mini réfrigérateur, une boîte sécurisée pour les munes, une palette et également une étagère. C'est un peu réparti à droite à gauche. Plus cette machine-là, cette modif-là, qui se trouve ici. Donc comme ça, on est plutôt pas mal. D'autre part, le jardin a évolué. Ça se voit d'ailleurs, hein, regardez, il a plus le même aspect. Donc jardin niveau 3 avec de l'engrais qui permet d'obtenir plus de choses, ça pousse plus vite. Ce qu'il faudrait aussi faire évoluer, c'est l'infirmerie qui reste niveau 2. Je peux pas la faire évoluer puisque j'ai pas de médecin. Donc on n'a pas la connaissance. Et puis je crois que c'est tout, hey, ça j'ai pas changé. Ouais j'ai pas changé ce truc là. Donc on va pouvoir y aller. On va cibler un cœur de peste. Alors, il y a masse infestation dans le coin, hein, par contre. C'est impressionnant. On va cibler celui-là d'abord. On va passer comme ça par le bas et remonter ensuite. Ça paraît très très bien. Faut voir si on a une bagnole avec de l'essence. Sinon, il faudra en trouver. Faudra en trouver sur place. Est-ce qu'on prend, par exemple, le chasse-neige? T'es comment? Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Let's go. On va pas s'occuper de cette survivante qui a des problèmes, tant pis. Il y a de plus en plus de Z spéciaux, faut faire gaffe. Hein. Juggernaut et compagnie. Donc on se méfie. Ok, alors là-bas en face, il y a un truc. C'est un boursouflé. Je pense qu'il va exploser parce qu'on est passé tout proche. Voilà. On se débarrasse des trucs qui traînent. Nickel. Et on est tout proche. On va garer la voiture comme ça. Elle démarre pas vite celle-là. Ah bon ? Ouf. Les villageois demandent de la nourriture. Encore un autre truc. Deck. Deck, deck, deck. Est-ce qu'il n'y aurait pas une voiture dans les environs? On n'en a pas vu. On est passé à côté de ce truc-là. De ce truc-là, de pas mal de choses. Ça, c'est quoi? Stand de fruits. Ok. Bon. Des trucs pas forcément super intéressants. Par contre, là, on va se concentrer. Je vais balancer d'abord les premiers trucs que j'ai dans la main. Viens, on ressort, on ressort, on ressort. Voilà. Viens, 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 viens. Joue pas les héros comme ça tout le temps. T'es comme Richard, toi. Il y en a qu'un qui a explosé. Aïe. Oui. Viens, viens, viens. On s'éloigne un petit peu. Après chaque explosion, faut faire ça. Parce que la baraque, c'est chaud de rester dedans. On se déglingue. Hop là. Reprenons notre souffle. Il y a plein de cœurs de peste partout.
plein d'échantillons à ramasser en même temps. C'est vrai qu'en ce moment, je les ramasse pas trop. Ça rentre encore. Ah, il tire sur le cœur de peste. C'est ça qui est pas cool. Je vais le laisser faire un petit peu, tant pis. On va voir ce que ça donne. Je pense que le cœur va rappeler, mais après, j'ai pas tant d'explosifs que ça. Ça, c'est fait. Ok. On va sélectionner ça. Et on balancer encore un. Et on va faire sortir les ennemis d'abord. Non, ils tirent sur le cœur de peste, hein, et les autres viennent pas. Allez. Et il a eu mal. Ouais. Viens. On va les écraser. D'habitude, je fais ça à la grenade, c'est vrai que c'est plus puissant, quand même. Ouille. Voilà, on les a fait sortir. Je vais faire demi-tour. C'est quand même mieux comme ça. Hein. Plus simple. Il n'en reste que 3. Viens. On va aller s'en occuper. Je fais cela, moi. Voilà, c'est bien géré ça. Pour l'instant, on est pas mal. Dedans, est-ce qu'on va avoir encore du Z? C'est ça le problème. Il y en avait. Next one's the last one. Ouais, il est costaud. Il est costaud, il y a re du monde. Là, je sors de la mouise parce que c'est chaud. Toc. Ouais. Tu vas te soigner, t'inquiète. L'autre, il est en train de se faire déglingue. On est bon. The last one. Continuer à ramasser ça, je sens qu'on va avoir besoin de se soigner aujourd'hui. C'est bien. Hop. Yes. Ouf. Je me disais, on n'y arrivera jamais. Est-ce que t'as de quoi? Et non, il n'y a pas d'explosif dedans. Quelle tristesse. Je comptais là-dessus, en fait, pour tout dire. Des explosifs dedans, justement, pour se refaire. Ça, c'est pas de bol. Bon, on en a déjà fait un, c'est pas mal. Il était chaud à faire. Il était pas évident. J'ai l'impression qu'il était plus solide que d'habitude. Du coup... Hop, je vais mettre ça. Là, j'ai 10 échantillons. J'ai un sac en plus. Un gun en plus. Des flacons stimulants. T'avais besoin de remettre de l'essence, je pense, dedans. Faire le plein. Et il m'a semblé passer devant une armurerie. Éventuellement, il y a des grenades. Je vais la fouiller, prendre que ça. Pour la suite, il faut des explosifs. Hein. Tirer, c'est pas assez. Je vais pas vider ici parce que je pense pas trouver ce que je veux. Machette katana, sérieux? Oh là, tu vas tester ce truc, hein? Tu vas tester ce truc. Voilà. En plus, ça va très bien pour elle. Pour son style de combat. Wouh! Hey.
Yes. Du coup, bah, tu te débarrasses de celui-là. Et on est bien. Donc, je pense que juste avant, là, dans ce coin-là, il y avait une armurerie. Je crois l'avoir vue. Donc, on va s'arrêter juste à côté et chercher de l'explosif. Ça peut carrément valoir le coup. Ouais, c'est là. C'est quoi ça? Encore un boursouflet? Eh ouais, c'est ça. Yep, c'est très bien comme arme. Venez tester mon arme, s'il vous plaît. C'est excellent, j'adore. Ouh, cet enchaînement, quel beau combo. Et donc ça, c'est une armurerie, on est d'accord. Army and Navy. Il y a un petit véhicule à côté en plus. À la limite, on pourrait le prendre parce qu'il est plus maniable pour la suite et revenir après. On va voir s'il y a de l'essence dedans. Ouf, comment il a volé, lui? Allez, please. Ça serait trop beau que tu me donnes des explosifs. Pour l'instant, c'est juste des balles. Sinon, il se prend pour qui, lui? Aïe, 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 mais on a pas de balles. Pour l'instant, on trouve pas. Ça, ça risque d'être de l'essence. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. On va donner un petit peu à Ross. On va te donner des trucs de genre. J'entends quelqu'un à côté là. Il y a comme un grognement. Oh oui. Il y a un pas beau à côté. D'accord. C'est pas les balles qu'il me faut, c'est rien de ce qu'il me faut. Et j'ai plus de place et j'ai toujours pas d'explosifs en plus. C'est dommage quand même. Souvent on en trouve dans les armureries. Ah, ça veut pas. Hein. Ça veut carrément pas. Donc il resterait ça, toi. On va te redonner en plus ça. Et on va vider. Il reste des choses. Possiblement, on peut encore trouver. Donc là, je trouve pas. Pour l'instant, on va laisser, tant pis. Voilà, c'est nettoyé. Allez, on croise les doigts. Ah, qu'est-ce que c'est? Un objet de luxe. Faudra venir le chercher une autre fois, là-dedans quand même. Nope, rien. Rien de ce qu'on voulait. Ça, je peux les stacker, donc c'est parfait. Et puis on va essayer de poser les sacs. Bah, à la limite... S'il y a de l'essence dans celle-là... Je la prends, je vais vider, je reviens. C'est dommage de faire l'aller-retour. Mais comme ça, je reprends des explosifs à la base. Ouais, il y a de l'essence. Bah, c'est ce que je vais faire du coup. Je reviens après ici. Ah ouais, il y a un ferrage justement. Juste à ce moment-là, bien sûr. Voilà, on est déjà arrivé. Faudra faire gaffe au ferral là-bas hein, quand on reviendra. Du coup, on va vider rapido et je vais aller chercher des molotovs. J'en avais encore. Allez, on se dépêche. Déjà, on vide. Oh, j'ai entendu un cri là. Qu'est-ce qui se passe? Encore un autre? Sérieux? Qu'est-ce que c'est? Méfions-nous? See you in a few. J'ai
carrément entendu crier, hein. J'ai pas rêvé. Ça a l'air d'aller. C'est parti, c'est plus là. Donc, moi, je vais poser ça. Je vais poser tout ça. Je vais demander à Ross, qui je l'espère est bien, de faire de même. Ouais, il est pas au top top. Hein. Ça se voyait qu'il avait pris cher. Voilà. Et puis, on est reparti. Basculer, on va juste chercher ce qu'il faut. Ouais, ça a fait un petit peu de bruit, j'avoue. C'est pas grave. Ah, tu fais du jardinage maintenant? Bah, c'est bien, bravo. Hop, ici. Ça, c'est des mines. Feu de détresse, non. Bombe tuyau, pourquoi pas. Et ces molotovs là, allez hop. C'est fait pour être utilisé. En fait. Donc on utilise ça. Et c'est reparti pour un tour. On va s'en faire un deuxième. J'espère que dans le deuxième, il y aura des grenades. Ça arrive quand même souvent. Hein. Donc je vois pas pourquoi là ça n'arriverait pas. Quand même deux fois de suite sans trouver de grenades. Ce serait étonnant. Allez go Ross! Ok, nous voilà sur zone. On va laisser la bagnole là pour l'instant. Et on va partir vers l'autre cœur. Avec celle-là, elle est plus maniable. Donc c'est pas bien grave, ça permettra d'écraser et puis on peut l'abîmer. C'est rien non plus. Ouais, il y a toutes les missions qui ont sauté. Il y a des survivants qui sont mécontents du coup parce qu'on n'est pas venu les aider, mais bref. Nous, on s'occupe des trucs urgents, hein, comme les cœurs de peste. Et on est arrivé. Ouais, ça a l'air d'être une zone encore. On connaît pas du tout. C'est intéressant. Jamais venu ici, hein. C'est chouette. Ça change. Des nouveaux décors. Des nouveaux magasins à visiter et un nouveau cœur de peste. On va lui balancer une bombe tuyau. D'abord, on fait sortir. Ok, time to go to work. Attention, viens, 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 viens. C'est mieux dehors. L'intérieur, c'est toujours chaud. Il n'a pas suivi. Hop là! On est en train de se faire castagne ou quoi? J'avoue. T'y es? T'y es? C'était chaud! On reprend notre souffle? La vache! C'est arrivé? Attends, je regarde hein, la map. Tu me couvres? Où est-ce qu'il peut être? Dans quel magasin? Celui-là? Ou celui à côté? Oui, j'avoue. Mais on le cherche, là. Ouais, il paraît être à côté. L'air est pestilentiel. Eux, ils ont pas suivi. Ok. Ouais, il est où? Il est où l'enfoiré? Il est là. Fire in the hole. Viens, on sort. Vite, 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 viens, viens là. Derrière. Ça c'est bon. Ok. On est en train de se faire déglingue encore. Ok, ok.
done. Just a little more. Yay! On tue tout le monde! Time to reload. Je suis obligé de tout faire, hein. Désolé de le dire, mais... Yes! C'était chaud. C'était chaud parce qu'il restait trop à l'intérieur, notre ami, là. Et il se faisait éclater la gueule. Je pense qu'il est pas bien. Ouais, c'est ça? Tu crois que t'es pas bien? Fais voir. Ouf. Ouais, t'es pas bien. Faut que tu gères mieux que ça, hein, sinon tu vas y passer. Je vais te guérir. Voilà. Ouais, 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 d'accord. Mais là, on va voir ce qu'on trouve sur lui d'abord. Je rebascule là. Peut-être qu'on va y retourner, hein, tant pis. No more zombies here. Ah, mais c'est pas possible. Mais donne des explosifs. Ça quand même c'est chiant. Tiens. On va repasser par la base hein, je crois. Il faudrait traiter Ross de toute façon. Non c'est pas ça que je voulais faire. Je vais prendre... Je vais prendre ça parce que c'est lourd ça aussi. Voilà pour le moment on reste comme ça et après... On rebascule sur elle, on va vider le cœur, c'est tout. Nickel. Ouais, c'était encore chaud, hein. C'était violent. Je ramasse les échantillons quand j'en trouve. Et je pense qu'on va traiter Richard à la base. Ça paraît beaucoup mieux. Et en même temps, à la base, faut rentrer de toute façon, puisque actuellement, il y a une attaque qui se prépare. On va faire gaffe aux sauvages sur la route aussi, qui étaient finalement proches de la voiture. Il était là. Il va nous sauter dessus à un moment, j'imagine. Oh, on l'a touché. Yep, voilà. On peut quand même les avoir en finale. De toute façon, ça c'est la voiture Bélier. Et on est bien, on se gare là. Peut-être que je la réutiliserai après, je vais la laisser là au milieu. Nickel. Et puis ça. Il a besoin de réparation, lui. On va le réparer. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je me dis qu'il en a besoin. Il est tout cabossé. Ah, il a fière allure maintenant. C'est beaucoup mieux. Allez, go. Ok, on se gare. Et on se prépare pour l'attaque. Et après, je lui fais un remède. Comme ça, on peut repartir. C'est pas mal, je pense. Déjà, on balance tout ce qu'on a pour être tranquille. Il reste qu'une grenade, hein, sinon. Je vais encore fouiller pour regarder ce qu'on peut prendre. Tu te débarrasses de ça, de ça, de ça, et de ça, plus ceci. Ah, à nouveau. Pourtant, j'ai fait une caisse. Je pensais que, justement, ça permettrait d'éviter. Ok, on revient sur Talisha. Ouais, 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 bah on est là, tu sais. T'inquiète, hein, on gère le truc. Pas de soucis, mais on voit personne. Si, si, y'a quelqu'un. On va lui ouvrir. C'est ça? C'est ça l'attaque? Ah, y'a quelqu'un dans la base. Y'avait quelqu'un. On va laisser taper sur la porte.
Oh, on va tenir longtemps, t'inquiète. C'est pas beaucoup. Voilà, hop. Je vais faire une petite prise. Ah bah non, on n'a pas pu. Ça y est, c'est réglé. Voilà, donc plus de problème avec ça. Il reste ça. Demande de nourriture. Parler à Charlois, je vais leur apporter de la nourriture. Je vais le faire ça. Parce qu'ils vont pas être contents sinon. Faire la gueule. Donc on va aller s'occuper de ça. Je vais prendre un sac de nourriture. Et leur apporter, à mon avis, c'est ça. Et puis après, on va peut-être faire la mission avec les autres, les vétérans, peut-être, qui nous donneront des explosifs. Retirer sac de nourriture, gérer réserve. Voilà, on va leur emporter ça. Ouais, ouais, on se dépêche. Ah oui, le remède, le remède, le remède, on oublie. Fabriquer un remède, dépêchons-nous. On veut fabriquer ça. Et on va te l'administrer. Option de traitement. Donner le remède. Tiens, tu te piques. Allez, vite. Pchit. T'étais presque malade. Voilà, super. Allez, tu viens. Parce que je pense qu'il l'aurait été de toute manière. Oh, c'est quoi ce bruit? Il y a un mauvais bruit. Ouais. Il y a un truc qui clignote quelque part là. Voilà, c'est fait. Allez, on y retourne. Ils ont l'air de se trouver dans cette maison. On va être civilisé. On rentre par l'allée. Voilà. Ça n'a pas trop suivi, donc on est tranquille. Et il faut parler à quelqu'un. Donner un sac de nourriture. Et voilà, nickel. On les a aidés. C'était tout simple. Donc ils sont amicaux maintenant. Loader ahoy. Ok. Je me disais, il essaie même pas de la tuer. Ensuite. Hein? Ensuite, on a un boursouflé dans le coin. Je l'ai vu, hein. Ah, il est là. Voilà, il n'y a plus de boursouflet. T'as des balles encore? Ouais, c'est bon. Et on va regarder ce qu'on fait après avoir tué celui qui vient, là. Allez, ramène-toi. Ah, t'es pas mort. Là, t'es mort. T'es mort aussi. Tue celui qui arrive, là, aussi. Merci. Donc... peut-être qu'on va aller voir cela. Faire cette mission. Et comme ça, récupérer d'autres explosifs. Parce que là, j'en ai usé pas mal. On sait jamais, hein. Et puis comme ça, on aura fait une mission, ça changera un peu. Et à la fin, on se tape le cœur de peste si on peut, s'il reste du temps. Ok, nous y voilà. C'était un long voyage. Attention, il court, lui. Yeah! Je la connaissais pas cette animation. Elle était belle. Donc on va voir ce qu'ils nous veulent. J'espère que c'est pas trop long parce que là j'ai pris du retard sur ce qui était prévu en fait. Alors les gars. Hey buddy, I almost missed you. Il est où le taulier? C'est toi. Hein. Let me break this down for you. Quand on a quitté notre dernière base, certains d'entre nous n'ont pas survécu. Si tu pouvais nous aider à récupérer ce qu'on n'a pas pu récupérer... ok, je comprends. Oh, that's nice, yeah. Je vais t'aider. Hey, you. Parlez à Horn. C'est toi, Horn. I'm probably gonna regret this, but I'm coming along. Je vais sûrement le regretter, mais je viens. Si tu insistes. Allez, go. After you. C'est pas très loin.
La voiture est par là. Non, je me suis trompé, elle est là. Je fais tout là. Merci. Donc on monte. Si on trouve des explos, je dis merci. Ça avait l'air d'être par là. Oh, il y a une horde. Ouais, c'est vraiment pas loin du tout. Tout va bien se passer. En centre-ville, je pense. De cette partie-là. Finalement, c'est une suite de villages, hein, collés les uns aux autres. Ça donne cette impression, en tout cas. Bah, finally, on vient juste de partir, je te signale. Ok, il y a un streamer dedans. Voilà. Fouiller le restaurant. Ok. Il y a quelque chose qui tape. C'est un Z-mort peut-être. On doit fouiller ce corps. Et là, on trouve beaucoup de trucs dessus. Déjà, c'est pas mal. Ensuite. Ça, ça peut nous soigner, effectivement. Tiens, je vais te donner des choses. Une fois de plus. Je donne tout ça. Je récupère ça. Ensuite, je fouille à côté. Pour l'instant, c'est pourri. D'accord. Bon, bah, on va peut-être en fabriquer, hein, finalement, des explosifs. On va les faire nous-mêmes. Parce que sinon, je pense que ça va pas le faire, quoi. En plus, j'ai récupéré beaucoup de choses quand même, donc c'est peut-être possible. A priori, le truc est là-dedans. Hein. Ouais, c'est ça. Je peux pas le prendre. Toc, maintenant je peux. Rejoignez Horn avant de retrouver Ghost. Elle est là. Tu parles ? Je regrette, j'ai perdu les pédales. C'est noté. Fais attention à toi. Rendez le AK à Ghost. Ah bah on y va. Ah bah bien joué. Cette esquive ratée. Elle est fatiguée. Du coup, elle vient pas. L'autre ne vient pas. Horn, elle reste là, a priori. Il y avait une horde, hein, clairement. Ah, ils habitent là, juste au-dessus. Oula, et casse-toi, casse-toi. Ah bah, t'es reparti pour te faire bolosser, là. C'est toi qu'ils avaient ciblé, hein. La vache. C'est arrivé. Ça va? Il a l'air choqué. Il dit plus rien. Et là, il y a grosse fatigue. Donc je pense pas qu'on va pouvoir faire le dernier quart avec elle. J'ai envie de le faire aujourd'hui. Hein. Ouais, mais il y en a partout. En fait, ça n'arrête pas. Ça n'arrête jamais. On n'est jamais tranquille là. Voilà, hop, yeah, je te donne ça. Bad, plus de 100 d'influence. Ok, c'est tout. T'as rien donné?
Je te remercie pas. On s'en va, on a perdu notre temps. Marchand ambulant. Ah, peut-être qu'il vendrait des explosifs, lui. On va passer par lui sur le retour. Et après, il y a ça à faire. Ouais, peut-être que le cœur, là, ça va être mort. Je vais passer par lui pour le retour et je vais aller voir les autres qui veulent. Parce que c'est vrai que je me mets à dos tout le monde, sinon à force. Il y a mon katana qui est déjà abîmé, purée. Ça va trop vite. Toc. On va en avoir besoin, je le sens. Donc là, on va voir le marchand. Ouais, au passage, je fouille ces corps-là. Je les avais pas vus. C'est jamais. Ouais. Attends. Donne-moi des grenades. Allez, please. Ouais, attends. Ça pourrait t'aider. Ok, no more of those. Ouais, ça va mieux. Je vais poser des trucs. Et puis ensuite, on va voir ce qu'on peut faire. Elle va beaucoup mieux là, ça lui a fait du bien. C'était cool de trouver cette tasse. Wish I had space for that. T'as pas, ok. Toi, t'as encore un peu d'espace ? I have all I can carry. Ok. Je crois que ça va être tout. Hein. Bon, pas plus. Une bonne vieille pelle, on va la laisser. Et récupérer le reste. Allez, go. Marchand ambulant. Ça y est, on y est. Hop, on descend. Et on va voir ce qu'il peut vendre. Hello there. Please. I represent Red Talon. I assume you know of us. Ah bah voilà. Et c'est tout puisque j'ai plus de place. J'ai plus de place. Moi à la limite. Je vais te vendre ça pour prendre la dernière grenade. Nickel, c'est bien. C'est parfait. Ouais, il y avait des balles une fois. Mais là, il a pas. Celui-là n'a pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on a ce qu'il nous faut. Je pense pour faire sauter le dernier cœur qu'on voulait faire sauter. On va repasser par la base. Et on va changer de bagnole au passage. Parce que là, à la limite, c'est chaud. Hop, la base est par là. Attention! Attention, je suis attaqué! Putain! Enfoiré! C'est bien! Il a pété la porte, cet enfoiré! On va se soigner après. Je voulais rentrer par un autre chemin et en fait c'était pas une bonne idée. Ah puis il y a un Juggernaut juste après. Hop 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 hop. Sauvons-nous. Ok, on est arrivé. Voilà. J'ai plein de balles pour rien. C'est pas grave. Boum. Ensuite, on pose des trucs. Je sais pas combien on a de sacs à dos, mais un paquet. Je vais poser les grenades et c'est une autre équipe qui va y aller parce que là, cette équipe-là, elle a besoin de souffler carrément. Toc, on la soigne. C'est dommage, ça remontera pas jusqu'en haut.
Et puis on va voir à confier ça à Richard. Richard et Heather, on va faire. Je fais toujours les mêmes équipes. Toc, on vient là. Richard, où es-tu? Ouais, Ross, il est pas bien. Notre ami Richard, il est là. Il était tout là-haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Non, t'étais tout seul, oh, le pauvre. Il s'isole. Quelque chose qui va pas. Bon, puis comme c'est toi que je croise, c'est toi que j'emmène. Ah non, je peux pas, puisque en fait, il faut que je me débarrasse d'abord de Ross. Bye. Y'a quelqu'un ici? Non. Du coup, l'autre est remonté. Quelqu'un qui cultive quelque chose. Quelqu'un qui se repose, alors. La base est désertée. Non, ils sont par là, je vois des petits personnages. Voilà! Je vous avais pas vu, désolé. Je t'enrôle. On va chercher les grenades. Et on termine là-dessus pour aujourd'hui, grenade. On en a 4 hein, quand même, je pense que ça suffira largement. Oui, on le fera, d'accord, mais là on peut pas. On peut pas le faire, il commence à faire noir, je vais m'arrêter vite. Donc on va cibler notre dernier cœur de peste. On fera attention aux juggernauts qui traînent à côté de la base. Une explosion là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas trop. C'est pas grave. Y a pas beaucoup de carbu. Je vais reprendre l'autre, celle qu'on a laissée en route. Comme ça, on garde celle-là sous le coude avec un tout petit peu de carbu pour revenir. Ah, c'est ça qui a explosé! Mais non! Mais n'importe quoi. Ce bol, mais c'est terrible. Donc déjà on n'est pas bien, ça commence fort. Allez, on repart. Tu montes, cette équipe de bras cassés alors. Voilà. On l'avait laissé ici. Ouais, franchement, je suis deg. Le gars, il était tout neuf, tout beau. Là, il est tout vieux, tout fatigué. Oh, il y a du monde. Attention. C'est bien. Ah bien sûr, lui il a réussi à sauter sur la porte. Touche pas à la voiture. J'ai changé ses fringues au fait, au cas où vous auriez pas remarqué. On a un nouveau Richard. Et on va s'occuper avec lui. Dernier cœur, on va rien y voir, mais tant pis. Attention, barre-toi. Vite. Yes. Allez, on y va. Comment on fait? C'est où? C'est là, d'accord. Comment on fait? Bon, on va faire comme ça. C'est-à-dire... Pousse-toi, non? Voilà. Je brûle. Cours! Mais non.
Richard. Pas toi. Ah, j'y crois pas. Quelle tristesse. La mort de Richard. Bon, j'ai fait le con, j'aurais pas dû jeter les grenades. Les grenades l'ont mis HS, il était trop près. Et voilà, on a perdu un fondateur, un membre essentiel du groupe. Et on va s'arrêter là-dessus. Triste nouvelle. Izor est revenue. Elle est seule, désemparée. Adieu Richard. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Allez, salut !